Eh bien, salut les vilains! On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Atlas Play sur le portal. On est parti! Techniquement, je devrais arrêter de dire techniquement, on va arriver à la fin de l'enchaînement de salles. Et ça va être le moment de s'enfuir, parce que bon, avec tous les messages qu'on nous a laissés derrière nous, apparemment, voilà, à la fin, c'est pas un chèque cadeau qu'on va avoir, mais plutôt la mort. Donc faudrait quand même se dépêcher. Si Monsieur Chargement veut bien. N'est-ce pas? Yep. Alors. Ok, donc c'est bien. Voilà, le test final. Veuillez jeter le générateur dans l'annexe de récupération du matériel. La réglementation du centre d'enrichissement exige que vous ayez les mains vides. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. Putain, mais il est parti trop vite. Le temps que je comprenne ce que ça active, le truc, il s'est déjà barré sans moi, quoi. Attends, il y a peut-être moyen de le rattraper. Reviens là. Oui. Du coup, il y a un bouton. Hop, j'appuie dessus. Tac, parfait. Hop, je passe. Ça se referme. Pas parfait du tout. Je meurs. Oui. Exactement ce que je voulais. Oh putain, vas-y qu'on doit tous refaire à cause de cette connerie, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire là. Yes. Ok, il m'avait emmerdé celui-là. Le test est terminé. Les technologies aperture restent opérationnelles jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence finale. Ah, je suis totalement rassuré là. Très bien. Au revoir. Oui. Et je vais être obligé de me jeter dans les flammes là. Ah! Non! Putain, c'est pas vrai. C'est un petit portail là. Par contre, pour le second, on va être obligé de se jeter dans les flammes là. Putain, ça va être risqué. Yes! Yes, 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 yes! Ok. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi. Nous je suis comment moi maintenant? Ah oui, c'est vrai. Posez le générateur à terre. Yes. Sur le ventre, les bras le long du corps. Oui, bien sûr. Viendra bientôt vous chercher pour la fête. N'essayez plus de sortir de la zone de test. Mettez-vous en position de sécurité ou vous n'assisterez pas à la fête. Ouais, ta fête. Ta fête isolaille un petit peu, non? Alors attends, hop, hop, on se barre. Ok, ça lag. Ok, ça s'ouvre. C'est bizarre, la porte de la dernière fois, elle s'était pas ouverte. Ils avaient foutu une porte, c'était exactement la même. Je crois qu'il n'y avait pas de poignée en fait. Pas passer loin. Hop, on place un truc ici. Ok. Et celle-ci est fermée. Du coup,
Je vais essayer... Hein? What? Mais pourquoi? Si je vais suffisamment haut, peut-être que je peux arriver sur, sur ce truc-là. Yes. Ensuite, à partir de là... Tac, 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 tac... Ouais, ça avance pas à grand-chose. Ce qui a intérêt à aller par là, ça m'a l'air d'être du suicide, hein. Ah non, attends. Attends. Si je vais là. Ensuite. Non, plus haut, c'est la mort. Alors pourquoi ils ont mis une petite plateforme ici comme ça? C'est une vitre, hein. Peut-être que... Oui, on peut faire un truc ici. Du coup, je me jette. Hop. Je pensais arriver un peu plus haut que ça. Ouais, surtout qu'à cette hauteur-là, ça sert à rien. Fallait le mettre ici, en fait. Voilà. Voilà, ça sert plus à rien. Faut faire ça, d'abord. Allez, hop. Je suis où, là? Sur le rebord. On fout ça, là. On va essayer de retourner sur ça. C'est pas possible. Bon, bah, du coup... Tant pis, on sera un peu moins haut, j'espère que ça marche quand même. Et ça fonctionne. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas fuir, vous savez. En plus, vous vous trompez de direction. Bonjour. Hop. Le truc de Futurama. Youhou. Trop bien. Je sais même plus par où on va, on est où là? C'est quoi ce truc? Okay. Ah, c'est ce qui délivre des cubes. Retournez à l'annexe de récupération pour du gâteau. Nous avons passé un bon moment. Nous sommes impressionnés par votre réussite. Le test est fini. Revenez. Mais je vais où là? Bah, je vais avancer, je sais pas. Il me faut un cube pour avancer ici. Ah ouais, attends, parce que du coup, à la de base, on n'avait pas les deux portails, c'est pour ça. Oh oh, quelqu'un a coupé le gâteau. Je leur avais pourtant dit de vous attendre. N'hésitez pas, vous pourrez en avoir si vous revenez. Hop là. Ah mais je suis coincé là. Comment ça se fait? D'accord, fallait tirer peut-être un peu plus loin. Et là c'est bon. Et non, c'est toujours pas bon. On va sauvegarder rapidement parce qu'il me le conseille, donc je vais les écouter un petit peu. Si j'arrive à tirer là. Voilà. Là on est bon là. Ok. Just. Donc ça me soulève. Ça peut pas me tuer. Non, ça me tue pas. De toute façon, ça sert à rien, on dirait. Ça, par contre, ça va me tuer, je pense. Attends. Est-ce que si je fous un portail, il continue sa route? Je dirais que je peux juste pas foutre de portail. D'accord. Est-ce que je peux monter dessus? Non. Comment je fais, là? Si ça me soulève, voilà, c'est pour aller là. Mais du coup, il me faut quand même un deuxième emplacement. Est-ce que, genre, j'ai moyen de sauter suffisamment haut? Ça fonctionne pas. Hein. Parce que là, c'est bien, j'ai posé un portail, mais il faut un autre portail pour pouvoir y aller maintenant. Où est-ce que je peux placer un portail? Je sais pas qu'il n'y a plus d'endroit où je peux placer de portail. Ok, c'est bon. Donc là, maintenant, je suis au-dessus. Et je vais là. Et... Putain. J'ai voulu aller trop vite. C'est pas grave. Hop.
Voilà. Est-ce que je vais pas mourir en tombant ici là? On va prendre de la marge. Ok, on arrive là-dessus. Ensuite, je vais passer un portail là, un portail là. On saute pas assez haut. Eh merde, je vais y arriver. Mais c'est forcément ça qu'il faut faire. Voilà. Oh putain, le chargement à un endroit totalement random, tu sais. On s'y attendait pas. En plus, vous vous trompez de direction. Oh, tu as déjà dit ça. Est fermée. Hop. C'était pas voulu. C'est lequel qui va le plus haut là? Peut-être que ça me sert à rien si je vais là d'abord. Et ensuite ici. Ah, c'est là qu'il faut aller. Là où il y a des petites échelles. Techniquement, c'est lui qui devrait m'y emmener parce qu'il doit y avoir un mur blanc là-bas. Attends, hop. Exactement. Voilà. Maintenant qu'on est là. Ah ok, c'est par là. C'est une question de timing. Je déteste quand c'est question de timing dans ce jeu. C'est vraiment pas fait pour. Allez, ça doit être maintenant. Ok, let's go. Ça doit être ça. On est bon là ? Mais non, c'est fermé. C'est quoi ce délire encore là? Bon, bah ok. Du coup, à quoi ça me sert d'arriver là? Je vais placer un bleu ici. Ça, ça doit être pour avoir de l'élan. Ok, c'était ça. Allez, on sauvegarde.
J'ai réussi. Yes. Retournez dans la zone de test. C'est quoi ce bug là? D'accord, mon portail voulait pas se mettre à deux reprises, j'ai pas compris. Okay. C'est quoi cette zone de merde? À quoi ils servent tous ces pistons dans un endroit totalement random? Le mur que je dois viser là. Attends, on va essayer de prendre celui-là. Ok, donc là on est bon. Par là, hein. Quoi qu'il y ait de la lumière, donc ouais, ça peut être que par ici. Ah bah il y a des putains de grosses flèches, très bien. Allez, let's go. Putain, j'ai pas réussi à passer. Attends. Hop. Et là, tu veux que je saute? Putain, mais je vais encore mourir comme un con. On va sauvegarder rapidement déjà. Voilà. Bon, bah ouais. Je pense que c'est le seul truc qu'on peut faire, c'est sauter et prier quoi. Allez, bah non, mais c'était sûr. C'était sûr. Eh ben. Des fois, c'est chiant pour la moindre chose, cette histoire. Alors, on se jette. Oh putain, mais c'est du suicide. Ah non, c'est bon, ok. C'était une illusion d'optique, en vrai. Il y a un fond supplémentaire. Enfin, la paroi n'est pas collée au sol, quoi. Ok. Donc là, on arrive dans une petite zone secrète, j'imagine. C'est quoi? C'est des aperture box, ça? C'est pour avoir le wifi? Très bien. Attends, il y a un truc qui me... C'est quoi, ça? Beans, d'accord. Il y a quelqu'un qui a survécu encore ici. À chaque fois je dis quelqu'un, mais je suppose que c'est toujours la même personne. Hein. Oula! C'est une bonne idée d'être ici? Oh, pas du tout. Attends, c'est quoi cette merde là? Oh là là! Wow! On est d'accord qu'en fait le truc s'est retiré au moment où je suis passé dessus. C'est pas une question de timing cette fois-ci. Attends, vas-y, j'essaie de me dépêcher et c'est pas possible. Très bien. Du coup, maintenant, il faut trouver un moyen pour survivre. Donc, celle-ci va être la première à s'ouvrir. Je vais lui foutre un bail dans la gueule. Voilà, tu dégages. Ensuite, c'est toi. Crève. Oh là là, c'était chaud. C'est vraiment pas passé loin. On s'occupe du dernier. Tu dégages. Voilà. Du coup, c'était par là. Je fais comment là? C'est bien beau, ils ont mis une flèche, mais y a pas d'emplacement de portail. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Thank you.
pas le remettre debout. Et je passe comment là? Attends, je crois qu'ils se foutent de ma gueule. Ah, attends. Oh putain, le petit angle, s'il te plaît. Je ne vous apprends rien. Les gens bien ne finissent pas ici. Vous m'entendez? Voilà. Je peux prendre ça? Non. Va falloir se jeter dans la gueule du loup. Ça me plaît pas beaucoup cette histoire. Allez, viens. Du coup, on est de retour là. Et ça servait à rien. Ah, peut-être que ça, c'est important. Non, pas du tout. Mais pourquoi elle est pas morte, elle? Crève. On va s'en débarrasser comme ça pour être sûr. Voilà. Je comprends pas trop l'utilité. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier de faire? Il y a peut-être moyen de briser ça. Ah, c'est vraiment une supposition parce que pour le coup, ça serait assez, assez fou. Ah, attends. C'est un nouvel endroit, ça, voilà. En plus, il y avait une flèche, donc c'est bon. Salut, toi. Allez, crève. Mais ils ont recyclé les dessins en fait, hein. Peut-être au cas où tu les aurais ratés dans une autre pièce. Donc là ils me disent au-dessus, mais ah d'accord. C'est là? Je suis bloqué. Non, c'est bon. Toujours pas assez d'élan. Comment je fais pour accéder là, moi? Bah, si, ça marche. C'est juste que j'ai du mal tombé la première fois. Il aurait pu en être autrement. Trêve de plaisanterie. Revenez ou je vous tue. C'est quoi ça? Et il ne reste plus de gâteau. Vous vous en moquez, c'est ça? C'est votre dernière chance. Salut. Merci. Ah putain, il va falloir utiliser la roquette d'une de l'autre encore. Alors attends, hop. On va voir si ça a marché. Super. Je fais comment là?
Sérieux? Pas foutu de grimper ça, quoi. Là, je suis coincé parce que mon personnage, c'est un couillon. Attends. Et je fais comment? Et je peux pas aller là. C'est pas possible. Ça va m'énerver cette histoire. Peut-être qu'il faut encore une fois que je réutilise la putain de roquette. Vas-y, je vais faire ça. J'aurais peut-être dû placer l'autre en premier. Bah, du coup, je vais devoir faire un aller-retour. Où je l'avais placé, je sais même plus. Je suis fatigué là. Hop, je fais ça. Alors, est-ce que ça fait un truc? Yes, ça l'a cassé. Ok. Bon, du coup, je suis pas le chemin qui était prévu. Mais vas-y, rentre dedans. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, ça a fait tomber un cube. D'accord. Putain, t'imagines, tu tires au lance-roquette parce qu'elle est pas foutue. D'escalader un truc d'un mètre, quoi. Et encore un mètre, j'exagère. C'est quoi cet endroit là? C'est bien, je suis coincé. Super. Ah, il y a un mur là. Ok. Vas-y, qu'on retourne encore en arrière. On voit que dalle. Du coup, ça charge. Je crois qu'il y a 3 ou 4 parties dans l'évasion. Et à un moment, bon, j'avoue, j'ai été obligé de regarder la solution, hein. C'était le moment où il fallait rester entre deux portails, ça. Ça, je l'aurais jamais compris parce que dans le 2, c'est genre vraiment formellement interdit. Sinon, tu pourrais grave tricher sur tout le long du jeu. Hop, on va arriver là. Et je pense que du coup, on va cesser là pour cet épisode Portal. Je pense que le prochain sera l'occasion de le terminer. Du coup, si je ne m'abuse, ça fera exactement 4 épisodes comme on l'aura prévu depuis le départ. Et ça sera très bien comme ça. Du coup, les amis, encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur cet épisode. Et sur ce, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss et à la prochaine.